Contente d'être ici pour l'échec, pour le Women's Cup. C'est super, en plus il fait super beau, il y a du vent, du soleil, il y a 17 équipages, c'est énorme. Et tout ça pour une bonne cause, pour Because I'm a Girl, donc c'est génial et j'espère que c'est la première d'une série des événements comme ça. Ben, c'est une super occasion parce que premièrement, d'aider une organisation et de soutenir la cause BIAM, Because I am a Girl, c'est génial. Et puis au-delà de ça, ça nous permet quand même, nous compétitrices, de rivaliser entre nous. C'est aussi sympa de temps en temps de se faire plaisir. Et voilà, on joint l'utile et l'agréable, c'est génial. Bonjour, et ben, je suis enchantée et ravie de faire partie des 17 équipages de filles qui participent à la première Women's Cup. Et ce qui est impressionnant, c'est que je ne pensais pas qu'il y avait autant de filles qui naviguaient et réunir 17 équipages sur un week-end comme ça. En plus, pour une bonne cause, c'est juste parfait et c'est un bonheur. Ça devrait se faire plus souvent. C'est quand le premier départ? À midi. À midi. En fait, le briefing est à 11h30, après je pense que ça commence directement. Ouais. Ah bah, je crois qu'on se fait filmer nous aussi. Ah, c'est, je crois que c'était une photo. Ouais, on a le droit de dire des conneries. C'est mon équipière, on a navigué ensemble depuis longtemps. Et tous les trois autres, on s'est rencontrés sur Internet pour cette régate. Sur le mythique Women's Cup. Donc on ne se connaît pas dans l'équipage. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, ça tourne bien, chacun a trouvé son poste et c'est super. C'est vraiment, vraiment sympa. Bah, on a fait un bon départ, on a fait à deux refus tout le temps, on s'est bien débrouillé, on a gardé une bonne vitesse.
Et on n'a rien lâché surtout, donc on est contente. C'était une super manche, c'était la dernière de la journée. On est hyper contente parce qu'on l'a gagnée et on l'a gagnée devant beaucoup de monde et on en était ravis. La manche, on a douté hein, parce qu'on débute nous aussi en J80, donc on a douté mais ça l'a fait et il y a une bonne communication à bord et on se fait bien plaisir, donc c'est super. Nos deux adversaires et puis après voilà, on a essayé de contrôler et voilà, on est contente, c'était une belle manche, on a dominé du début à la fin. Après il en reste encore plein, donc c'est pas fini. Les deux premières manches ont été un peu dures, la troisième manche c'était la bonne quoi, on a pris un bon départ et le reste a suivi. Super journée, excellentes conditions, top, à refaire. Je pense qu'on est deuxième et que c'est Morgane qui gagne parce qu'on a égalité de points. Donc c'est la fin de Women's Cup, du premier Women's Cup. Et j'espère qu'il y aura un deuxième l'année prochaine parce que c'était vraiment génial. Je pense que toutes les filles sont d'accord. Je pense qu'il y aura encore plus des équipes qui vont venir l'année prochaine et peut-être encore plus des équipes étrangères. C'est sûr que les filles de l'eau vont être là et on va peut-être même faire les entraînements d'hiver exprès pour Women's Cup 2012. Demain on attaque. Parce qu'on a un peu galéré aujourd'hui. Les niveaux, les filles elles sont trop fortes, les filles olympiques. On est motivés pour l'année prochaine. C'était une belle journée, moins performante qu'hier, mais toujours autant de plaisir pour naviguer. Et voilà, on est contente d'avoir participé, c'est cool. Vivement l'année prochaine qu'on recommence. C'était super. C'était génial. Because I am a girl. 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 Because I'm a girl. Ben, je suis très heureux d'être parmi toutes ces jeunes femmes, là, vraiment c'est d'un dynamisme extraordinaire. Et puis d'accueillir à Pornichet quand même une course comme ça, c'est vraiment inespéré. Et puis en plus ils ont aussi une bonne animatrice, c'est Samantha Davis qui est vraiment formidable, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Ce week-end, c'est votre passion pour la navigation à voile que nous avons saluée. Et le fait qu'elle se soit exercée pour la première fois à Pornichet, avec des équipages exclusivement féminins. On a déjà fait part dans le réseau plan international de ce que vous avez décidé de faire aujourd'hui
J'ai déjà des retours du monde entier, même d'Australie, en disant c'est super, on va faire pareil. Donc gardez le lead, l'année prochaine, deux fois plus nombreux, et à tous les autres, on va leur expliquer les règles du jeu. Merci. Merci à toi. Merci à Cécile d'avoir eu cette belle idée. Voilà, merci à tous. Moi, je pensais être la seule à avoir trouvé ce petit jeu de mots, que pour une fois, en J80, on n'a pas de pavillon noir, because I am a girl. La première de la flotte or, belle et rebelle, Morgane Fontaine. De gagner, c'est la cerise, hein, mais voilà, on était surtout là pour participer. On voulait encore remercier Cécile, hein, parce que c'est super, une super idée, et bravo. Et puis bah, après, à toute l'équipe de Pornichet qui a organisé une très belle régate. Et puis merci à toutes les filles, et puis because we are a girl! Because I'm a girl, I got the moves, I got the style. When you can't see me, I got the eye. You move so close, but yet so far.